Coucou mes choubidous, voilà l'intro. Walou walou. Bon, ben, comme vous avez pu le constater, je suis allée chez Action. Alors tout d'abord, j'ai acheté des coussins comme ça, 8 euros. Magnifique, il n'y en avait plus. Hein. C'était. Alors je ne sais pas si je les mettrais comme ça, mais je vais plus les mettre comme ça, vert comme ça. Parce que je trouve que ça fait plus joli. Mais si je veux, je pourrais les mettre comme ça aussi, mais je crois que c'est plus joli comme ça. Voilà, mais on verra avec mon canapé, on va voir comment on va faire. Si je mets du uni sur le canapé, je pourrais le mettre comme ça. Mais je trouve que ça fait un peu trop. Dites-moi, comme ça ou comme ça? Dites-moi en commentaire. Comme ça ou comme ça? Du coup, j'en ai acheté un. J'en ai acheté deux. Ah ouais, là, j'ai craqué mon slip. Hein. J'en ai acheté trois. Voilà, donc ils sont beaux, hein. Pourquoi ça fait blanc? Attendez. Voilà, je préfère. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, ça. Alors. Non, mais j'ai craqué. J'ai acheté ceci. Il n'y avait plus que cela en bambou. Je les ai payés 2 euros. Franchement, je les ai payés une blinde, mais je crois qu'il y en a pas mal dedans. Donc, il doit y avoir combien de mètres dedans? J'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Si c'était écrit en français, ça le saurait. Ce n'est pas écrit en français. En tout cas, voilà, j'avais besoin. Et puis, j'ai acheté ceci aussi. Alors, ça, c'est pas... c'est à Jiffy. J'ai payé ça 1,90. Regardez comme c'est mignon. Franchement, même pour l'été, un petit sac comme ça. Tranquille, je vais le mettre dans mon sac à main. Mais je veux dire, ça dépanne, quoi. C'est des vieux sacs à provisions, mais j'aime bien. J'ai acheté, alors ceci c'est Haloa, 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 c'est pour un décapsuleur, je l'accroche pas, je sais pas, peut-être je vais m'en faire une chaussure, peut-être, non, bon, pas de chaussure, bonjour celui qui va mettre la bouteille là, j'ai acheté ces petits canards, alors ne me demandez pas pourquoi, je trouvais qu'ils étaient mignons, j'ai payé ça 1,49€, et ça j'ai payé ça 1,99€. Je trouve que c'est trop mignon, franchement. Regardez. Allez, les petits canards. Oh, c'est les petits mariés. Regardez ça. C'est trop choupinou. Pour l'instant, je ne peux pas prendre mon bain, mais je vous assure, c'est trop choupinou. J'adore. Des petites bêtises, mais j'avais envie d'acheter ça. Alors, j'ai trouvé ça. C'est papier de toilette humidifié. Je croyais que c'était pour nettoyer les toilettes, mais c'est pareil. Moi, je m'en servirais pour nettoyer les toilettes parce que je me sers de Lotus sinon. Mais ça, c'est très bien quand on va aux toilettes, dans les magasins ou peu importe, qu'on a une envie pressante. Moi, je nettoie les toilettes avec. C'est cool. 79 centimes. J'ai pris le Sopalin XXL parce que franchement, je le trouve génial. Il est très épais. Je m'en sers pour le poisson, pour plein de choses. Pour mes radis, je m'en sers aussi pour le ménage, je l'aime beaucoup, et il fait 1,75 et il est très costaud, et il y a combien, 30 cm sur 25 cm, il y a 100 feuilles, donc c'est bien quand même. Hein. Alors j'ai trouvé des petites épingles à linge à 49 centimes, parce qu'en été, moi je fais beaucoup de machines, et du coup c'est bien pratique. J'ai trouvé ce petit glaçon, 99 centimes. Franchement, il ne prend pas de place. On peut le mettre même quand on part en week-end. Hop, on le met dans son petit sac isotherme et ça ne prend pas de place du tout. Voilà, puis c'était un petit ananas. Je trouvais que c'était rigolo. Une petite éponge, microfibre sponge. Éponge microfibre. Alors, franchement, je me suis dit... des fois, j'ai des taches par terre de fruits ou de je sais pas quoi parce que je fais tomber et je prends une éponge que j'ai derrière tout le temps et je me dis, ben, je vais prendre cette petite éponge puis quand elle sera pourrie, ben, je la jetterai. J'ai trouvé un top coat parce que comme je vous ai dit dernièrement dans une de mes vidéos action, je veux remettre du vernis et il ne tient pas. Et je me dis peut-être avec le top coat. Alors, je demande votre avis. Isa, ma chérie, toi qui es très douée, peux-tu me dire si c'est bien ou pas? Allez vous abonner à la chaîne de Passagère du Temps. Elle est vraiment formidable. Bisous, ma chérie. Voilà. Et donc, ben ça... alors, du coup, comme je ne suis pas de montage, je ne vais pas mettre Passagère du Temps. Je mettrai en lien.
Je mettrai en lien en bas, barre d'infos. Donc voilà. J'ai trouvé ceci 1,15€. Alors c'est pas pour boire, parce que je trouve que c'est pas très hygiénique dans la mesure où l'eau elle va ici, là. On ne sait jamais, le jus de fruit peut stagner même si on lave bien. Donc je m'en sers pour mettre les fleurs. Donc à bon entendeur, celui qui veut m'offrir des fleurs, eh bien, il est bienvenu. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y avait pas la paille, ils m'ont mis la paille, mais ils sont vraiment formidables. D'ailleurs, il y a eu un petit problème. En même temps, je vais vous expliquer. Et j'ai trouvé ça aussi, 1 euro et des bananes, 1,90€. Mais regardez, c'est trop, hein. Il y en a pas mal, hein. Il y a tout ça. Oui, ce qui s'est passé, mais Crème Bicette a été adorable, franchement, ils ont été super gentils. J'étais avec une amie, et cette amie, elle a... Attendez, je finis hein, quand même, vous voulez bien, parce qu'après vous allez me zapper, donc je finis. Ceci, je l'ai payé 80 centimes, c'est pour les sacs à main, j'en avais acheté un une fois, et puis j'ai trouvé celui-là avec les petites étoiles, très chouette. Et j'ai repris mes sempiternelles métallisées, je les adore. 99 centimes, quand il y en a, j'en prends tout le temps. J'en ai plus de celui-là. Je les consomme. Les nains, je les consomme. Non, pas cette chanson. Attendez. Voilà. Je me rappelle le temps avec Mamie Corinne. D'ailleurs, Mamie Corinne, je te fais des gros bisous, ma chérie d'amour, ma soeurette chérie. À chaque fois, elle m'appelait Terminator. Voilà. Et Kang Hehi. Et un. Vous avez vu comment il brille? Celui-là, je vous le recommande à 10 000, 100 000%. Vous pouvez le mettre avec une autre couleur même, hein, plus claire. Mais ceux-là, c'est vraiment une tuerie. Vraiment, sincèrement. Contrairement aux autres que j'avais achetés de Jemais, ça m'a brûlé, ça m'a piqué. Et puis, pour finir, les sets de table. 99 centimes. Donc, je vous raconte l'anecdote, ok, vite fait. L'anecdote, c'est tout simplement... mon amie était avec moi et puis elle passe en caisse. Moi, je passe en caisse, je décide de passer à l'autre caisse parce qu'il y avait du monde, juste à côté d'elle. Et puis, je l'entends, « Oui, madame, vous ne me parlez pas comme ça. » Et j'entends la vendeuse, la serveuse, la caissière dire, « Mais attendez, je fais ce que je veux et de toute façon, vous n'avez pas à me parler comme ça, je sais ce que j'ai à faire. » Il faut savoir que cette caissière, sincèrement, cette caissière, elle, non seulement elle a fouillé mon amie, elle a fouillé mon amie. Il y avait, si vous voulez, elle avait ça. Elle a enlevé le truc pour voir s'il y avait quelque chose dedans. Mais juste après elle, il y a une dame qui passe avec un gros caddie. C'était une copine à elle, je pense. Elle n'a rien dit, là, pour le coup. Donc, elle a pété les plombs. Elle a dit, c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait? C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Comme j'y suis allée aujourd'hui, parce que j'avais acheté une carafe très jolie qu'elle avait avec mes assiettes en résine, de bambou, là. Et elle est cassée, donc il m'a remboursé aussi les autres. Franchement, merci mille fois, le responsable de Kremlin Bicette, c'est vraiment une personne formidable, professionnelle, je le remercie sincèrement. Et du coup, je lui explique la situation, il me dit ok, je vois qui c'est. Voilà, mais franchement, c'est inadmissible, on dit, comme elle dit, mais attendez, il y a deux poids, deux mesures, elle passe, vous me fouillez, moi, vous me fouillez, elle, vous la fouillez pas, et puis elle a un caddie plein, il y a des choses qui vont pas. Donc voilà, donc elle s'est un peu énervée, je l'ai assagie, je l'ai apaisée, j'ai dit, allez, viens, on va se détendre, on va pas se prendre la tête et tout. Après, elle m'a invitée, on a mangé un petit gâteau et tout. Alors, bonjour, rééquilibrage alimentaire, et j'ai oublié de vous dire, c'est pas 4 kilos que j'ai maigri. C'est 400 grammes, c'est 600 grammes, mon Dieu. Mais bon, ça va, je commence à être sur la bonne voie. Voilà mes choubidous, alors si ma vidéo vous a plu, faites ce que vous voulez. En fait, pour être pour être référencé très bien, mon Dieu, j'ai plus de batterie, pour être référencé très bien sur YouTube, il faut des commentaires. I love you, je te quiero, ti amo.